Combien pèse votre arme? Elle pèse près de 100 kilos. Près de 100 kilos? Oui. Il y avait des hallebardes aussi lourdes dans le passé? Autrefois, sur les champs de bataille, les grandes hallebardes pesaient environ 30 kilos. Oui, c'est déjà très lourd. Je peux essayer? Oui. Près de 100 kilos. Non? Dis-le, expliquez-nous. Vous avez vu, le maître vient de nous faire la démonstration de sa force interne en utilisant l'ensemble du corps. Il a même coordonné sa respiration. Maître, comment est-ce que vous êtes exercé? Je pratique l'arc et l'épée depuis 15-16 ans, ainsi que le Xing Yichuan. Une démonstration de Xing Yichuan, peut-être? Qui vous a enseigné le Xing Yichuan? J'ai appris auprès de maître Pan Xiaotie de Suzhou. Maître Pan Xiaotie. Il est un grand maître du Xing Yichuan. Ses mouvements sont très rapides. Maître Pan Xiaotie a une technique appelée griffe du dragon de l'éclair. Est-ce que vous l'avez déjà vu? J'ai entendu le maître en parler, mais je ne l'ai jamais vu. Vous ne l'avez jamais vu? C'est dommage. Michael, quelle force! Ça peut aller. Alors, que penses-tu de cette démonstration de double hallebarde? Pour moi, ça reste de la performance physique. Tu n'as pas fait attention. C'est différent. En haltérophilie occidentale, quand les athlètes soulèvent des poids, c'est courbe à cet endroit. Il y a une forte pression sur les lombaires. Par contre, quand le maître soulève sa hallebarde, son dos est droit, ici. Il redirige toute la force vers les pieds. Tu veux dire qu'il y a un principe scientifique? Oui, le centre du coccyx, c'est un principe scientifique. Essaie encore. Waouh! C'est fort. Tu peux essayer. La hallebarde, tu n'arriverais pas à la soulever, non? Elle pèse plus de 100 kilos. C'est possible? Je peux lever plus de 100 kilos. Ça te va? Plus de 100 kilos, tu peux? On y va. Là, on a 100 kilos. Ça fait 5 kilos? Oui. Celui-ci fait 20. 1, 2, 3, 4, ça fait 80 kilos. Et la barre? Elle pèse combien? 20 kilos. Ça fait bien 100 kilos. Michael n'a pas l'air convaincu. On doit lui faire découvrir les vrais arts martiaux internes. Oui. Je l'emmène là-bas. Tu ne peux pas t'empêcher de l'aider. Donc, on va commencer sans toi. Alors, je lui souhaite bonne chance. Qu'en dites-vous? Pas mal du tout. Il est fort. Je vais t'emmener voir un véritable art martial interne chinois. Où? À Suzhou. Suzhou? D'accord. Suzhou se trouve dans le nord-ouest de la province du Jiangsu. L'endroit est connu pour sa tradition des arts martiaux avec de nombreux héros qui ont laissé leurs traces dans l'histoire. Le développement de la civilisation moderne n'a pas affecté la transmission de la culture chinoise traditionnelle à Suzhou. C'est là qu'est né le Rongchuan. Venu d'ailleurs, le Tai Chi Chuan et le Xing Yichuan ont connu un fort développement à Suzhou. Grand maître de notre époque, Pan Xiaotie a fait s'enraciner et fleurir le Xing Yichuan à Suzhou. Descendant de Zhang Zhankui, grand maître de la forme dite de la main éclair, Pan Xiaotie est connu pour la rapidité de ses mouvements. C'est seulement en le rencontrant que nous aurons peut-être la chance de voir la légendaire griffe du dragon de l'éclair. Pan Xiaotie n'est pas qu'un maître. Beaucoup de ses disciples sont devenus maîtres à leur tour. Nous sommes impatients d'aller à Suzhou mener notre enquête. Pan Xiaotie est à l'âge de la République populaire de Chine. En 1961, il commence son apprentissage auprès de Tian Shuqia, maître de Baguazhang du Rebei, ainsi que de Song Huahua, disciple des grands maîtres Zhang Zhankui et Song Qielin.
En 2010, il reçoit plusieurs titres honorifiques comme celui qui fait de lui l'un des 10 plus grands maîtres d'arts martiaux dans le monde. En 2013, il est récompensé pour l'ensemble de sa carrière à Vancouver, au Canada. Voici mon maître, Maître Pan. Bonjour. Prenez place. Là, prenez place. Le geste que tu viens de faire n'est pas correct. Ah bon? Dans les cercles du Kung-Fu, on fait ce geste lorsque l'on rencontre des aînés. Regarde. La paume gauche représente la chose civile et le poing droit la chose militaire. On unit les deux, puis on s'incline. Oh, pardon. C'est pas grave, assis-toi. Maître Pan, nous sommes venus ici pour faire l'expérience du Xing Yichuan et particulièrement parce que nous avons entendu dire que vous aviez une technique unique appelée griffe du dragon de l'éclair. Pourriez-vous nous la montrer? Les techniques de base de notre Xing Yichuan sont les 5 éléments et les 12 formes. Les 5 éléments de la boxe Xing Yi forment la base du Xing Yichuan. Ils correspondent aux noms codés du métal, du bois, de l'eau, du feu et de la terre. Ils tirent leur nom des caractéristiques des 5 éléments entre lesquels existe un phénomène de relation d'engendrement et de domination. Le tranchant de la main est comme une hache de l'élément métal, il engendre le poing qui transperce et domine celui qui brise. Le poing qui brise est comme une flèche de l'élément bois, il engendre le poing explosif et domine le poing horizontal. Le poing transperçant est comme l'électricité. De l'élément eau, il engendre le poing qui brise et domine le poing explosif. Le poing explosif est comme un pistolet. De l'élément feu, il engendre le poing horizontal et domine le coup du tranchant de la main. Le poing horizontal est comme une balle. De l'élément terre, il engendre le coup du tranchant de la main et domine le poing transperçant. Bonjour, bonjour maître. Je suis venu ici pour faire l'expérience de la griffe du dragon. Tu n'as pas assez d'expérience. Il manque d'expérience, mais pas Zhao Qilong. Pouvez-vous le faire avec lui pour ouvrir nos horizons? Zhao Qilong a une très bonne réputation. Je suis flatté. Vous voulez bien faire un essai avec lui? Oui, pas de problème. Super, j'ai l'occasion d'apprendre auprès d'un ancien, merci. Vous voulez le faire avec des armes ou à main nue? On veut voir les deux, bien sûr. Les armes d'abord, c'est beau à voir. Oui, bien, ça marche. Voyons d'abord cela avec les armes, ça va être un festin pour les yeux. Admirable, admirable. Vous maniez bien l'épée. Vous êtes trop rapide. Maître Pan va encore plus vite. Oui, on ne voit pas clairement vos mouvements. Maître Pan, vous maniez le sabre très rapidement. Mais il ne s'agit sûrement pas de la griffe du dragon de l'éclair, n'est-ce pas? Tu ne comprends pas. En fait, la lame est le prolongement de la main. Une lame rapide est le signe d'une main preste. C'est un indicateur? Oui, l'arme est le prolongement de la main. On voudrait voir votre technique à main nue. D'accord. Montrez-nous ça, merci. Quelle vitesse!
Comment on vous... Ceci. C'est pas ton jade? Si, c'est lui. Maître, vous lui avez pris? Il était accroché ici, non? Je l'accroche toujours là. Vous avez fait ça en un clin d'œil. Exact. Quand on s'est engagé dans le combat, Maître Pan a exercé une forte pression sur mon bras pour le baisser. Je me suis dit, le vieux maître veut tester mon kung-fu. Je ne peux pas perdre la face. J'ai donc fait un effort pour pousser le bras vers le haut. Je me suis alors rendu compte qu'il n'y avait plus de résistance. Je me suis dit, mon Dieu, c'est une fausse attaque, la vraie va venir. La deuxième attaque visait mon visage en venant de ce côté. À la hâte, j'ai essayé de dévier sa main vers le haut. Alors que je m'estimais chanceux d'avoir contré le coup, j'ai senti qu'il enchaînait avec une attaque de flanc. J'ai aussitôt déplacé la force défensive vers le côté. Je me suis dit, peu importe la force du coup, je ferai tout pour le bloquer. Étonnamment, il n'a pas frappé fort. J'ai senti sa main glisser et ma ceinture est soudain devenue comme plus légère. Je me suis rendu compte que mon jade avait disparu. Ce qu'on appelle griffe du dragon de l'éclair est en fait un stade avancé de notre art martial. C'est le point sans forme et sans intention. La véritable intention est vide d'intention. Comment l'appréhender? Après un long entraînement technique, on finit par avoir des réflexes conditionnés. Les mouvements ne sont pas prédéfinis. Le coup que je fais pour vous attaquer, c'est le stade primaire. Ceux qui ont véritablement atteint un haut niveau en arts martiaux, après de longs exercices, peuvent former une sorte de réflexe conditionné. C'est à cela qu'on voit les véritables maîtres. Un adage taoïste dit que la plus simple des voies est la meilleure. Tous les coups sont très simples. Les meilleurs coups sont souvent les plus directs. Prenons par exemple l'ancien maître Guo Yunshen. Son poing qui brise était invincible dans le monde entier. C'est juste un geste, juste un geste. Parfois, quand je combats et que je mets des gens au tapis, après ils me demandent quels sont les coups que j'ai utilisés. Je ne m'en souviens tout simplement pas. Ce sont des réflexes conditionnés après de longs entraînements. Voilà ce qu'on appelle un maître en arts martiaux. La griffe du dragon de l'éclair, c'est juste une façon de parler. Quelle est la vitesse de la griffe du dragon de l'éclair? Pour le savoir, nous avons demandé à Pan Xiaotie de faire ses mouvements devant une planche graduée. Nous l'avons filmé avec une caméra à grande vitesse. Cette dernière peut prendre 800 images par seconde. Les graduations permettent de calculer les distances parcourues. Après calcul, le résultat final est de 14,815 mètres par seconde, soit environ 53 km/h. Un vent de force 6 souffle entre 39 et 49 km/h. Un vent de force 7 souffle entre 50 et 61 km/h. Le poing de Pan Xiaotie va aussi vite qu'un vent de force 7. Une vipère fond sur sa proie à une vitesse d'environ 4 mètres par seconde. Pan Xiaotie va 3 fois plus vite. Pan Xiaotie se consacre à la transmission et au développement des arts martiaux. C'est lui qui a assuré le retour des 12 formes du Xing Yituan. Il accepte ses élèves selon un principe. Ceux qui n'aiment pas sincèrement les arts martiaux n'arrivent pas à persévérer. Quand il accepte des élèves, il regarde d'abord leur conduite morale. Le Xing Yituan est très efficace en combat réel, mais ses techniques peuvent entraîner la mort. Les pratiquants doivent donc être vertueux. Il en va de la responsabilité envers les élèves ainsi qu'envers cet art martial.